Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode un nouvel épisode pardon sur Skyrim. Je raconte n'importe quoi, ça commence. Donc un nouvel épisode sur Skyrim, on se retrouve donc à la suite de là où on s'était arrêté. On va descendre de cette tour, de cet endroit à la con, qui était quand même à la fois fort joli. Chez mes collègues, qui doivent être pas très loin, je sais pas où. Je ne sais pas où, ils doivent être pas très très loin. Ça y a pas des trucs intéressants là? Non. Et du lait non plus. Un coffre. Je l'avais vu ce coffre? Sûrement. Hein. Peut-être, je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave. Ils sont où mes collègues? Toujours est-il que. On va tâcher de faire une descente comme ça. Hop là. Et voilà. Et ils sont là mes collègues. Il y a une flèche qui est plantée droit dans le sol. Là. Une flèche orque en plus. Donc on a nos chevaux et notre but c'était d'aller de l'autre côté. Alors est-ce que c'est bien là? Oui voilà, c'est là. Essayez d'aller en face là. Mais c'est mon cheval ça. C'est mon cheval, il est là, il est toujours vivant, il s'est pas enfui comme un lâche. Contre, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah voilà. Il avait disparu son cheval à lui là. Alors. On va essayer de passer par là. Il y a un filon de cuivre. Attendre que les collègues arrivent. T'as des poissons carnassiers qui m'attendent. Fais une petite. Je me fais attaquer par des poissons carnassiers. Mon cheval il kiffe pas trop. Un petit lapin qui était sous l'eau. Et là il y a un méchant monsieur. On va mettre notre bouclier. Oula, il s'est envolé. Merde, mais il est parti où? Jour? Il est parti où l'adepte de machin chose? Vous l'avez fait valdinguer, je sais pas où est-ce qu'il est. Qu'il est con. Il est pas dans le. Si je vais le mettre comme ça je devrais pouvoir le trouver. Ah bah il est à mes pieds en plus. Il est à mes pieds. Ah il est joli ce livre. Je n'avais jamais vu des comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre, une quête qui nous tombe sur la gueule. Comment ça s'appelait? Le truc de Bohémia, le machin chose. Le truc que j'ai pas lu. Là. Carte mise à jour, l'appel de Boétia. Boétia, trouver l'hôtel, d'accord. Boétia, on s'en fout. Machin chose. Blablabla. Ré blablabla. Et encore du blabla. Ok. On a compris. Du coup, c'est où ça? Bref, c'est pas trop grave. Bah, on va quand même continuer d'aller là. On va appeler les chevaux parce que je crois qu'ils se sont cassés. On a perdu Lydie. On va rappeler les chevaux. Et on a perdu Lydie, effectivement. On finira par revenir. Ça, c'est quoi qui fait ce bruit là déjà? Je me souviens. C'est une araignée, non? Ou alors non, c'est des crapauds, là. Enfin pas les crapauds, les crabes. Ah ici on avait tué un géant, je me souviens, mais il est encore là. On va le laisser tranquille ce coup-ci. On avait galéré, je me souviens, on avait bien galéré pour le tuer. Et en face d'un ennemi. Strict.
Waouh, mon cheval là. Tu veux te calmer le sexe, hein? Elle est où? Elle est là. Ils l'ont tué, vous êtes pas sympa les gars. Hache de bûcheron, robe noire magique, non elle avait rien de spécial en fait. Bon, pourquoi elle a décidé de m'attaquer? Sans aucune raison comme ça là. C'est où ce truc? C'est pas très loin, c'est sur la gauche. On va y aller, on va couper. Couper honteusement, on était déjà venu ici. On n'avait pas le lexique à cette époque-là, ou alors j'avais oublié. Ça me dit quelque chose ce secteur-là. Oui, même que c'est. Regardez là-bas. Les ruines naines. Non, tu déconnes. On va poser les chevaux ici. Parce qu'on est là pour ça quand même. Qui c'est qui nous suit là? Ils nous suivent toujours? Bon, si c'est que des Ragnar, on s'en fout, mais. On va les voir quand même. Oui, je m'en souviens de ces ruines. Vous pouvez pas y monter même. On va aller voir, on va retourner voir. Hein, à moins que je pouvais, mais en fait j'ai pas fait attention. Que j'avais l'objet qu'il fallait pour. J'ai perdu mes collègues. Non, c'est vrai, c'est vrai. On va dégainer l'épée. Ça, on va vite voir si je suis déjà passé par ici. Je n'aime pas cet endroit. J'ai l'impression qu'on nous observe. On va faire une sauvegarde rapide. C'est un travail très simple, Draenei. Nous entrons, nous volons le lexique, nous repartons. Aucune raison de s'inquiéter. C'est les gens qui sont en bas qui parlent, là? Si vous n'êtes pas à la hauteur, nous trouverons quelqu'un d'autre. Assez. Ils font parfaitement l'affaire. Continuons. C'est bizarre les enfants derrière les fantômes. C'est effectivement des fantômes. On a quoi? Un filon de fer, on s'en fout, c'est du fer. Hein. S'il s'était adonné à la magie plutôt qu'à la mécanique, les Boimer auraient sans doute survécu. Oh mais t'inquiète pas, hein. Je pense pas qu'ils soient tous morts. Non, on peut pas venir ici. T'es pas venu ici. J'aime spirituel. De l'huile et un engrenage, on va les laisser. C'est toujours bien de se battre, merde. Et je vais te laisser un truc. Ah, j'allais la corne de Jürgen Parlement. Elle est peut-être bizarre, non? C'est ça. Je le laisse, j'en ai pas besoin. Encore du fer ici. Ah si si, ça me dit quelque chose. Coupe, une commode. De l'or. Encore une commode, un banc. Une fourchette. Un banc en pierre. Pourquoi il y a de la lumière comme ça là? C'est vous qui faites de la lumière comme ça? Non, bon, on va s'enlever la lumière, hein, parce qu'il y en a déjà. Non. On va faire une sauvegarde rapide. Parce que là, ça sent là. Quel endroit incroyable! En effet, avant Jzel est autant une ville qu'une bibliothèque. Elle a été construite pour contenir les immenses connaissances des Douémères. Je n'ai jamais rien vu de tel. Effectivement, c'est haut. Assez haut. C'est sympathique. Non, non, on n'était jamais venu ici. Autant pour moi. Je savais zapper. Non. Alors, on a un accès par là-haut.
Et on a des accès par ici. C'est quoi? C'est les coffres, ça. Hop, une masse, non. Potion de soin. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Si on peut y aller. Ouais, ça va. On devrait avoir le niveau. Oh, des carreaux, t'es. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas du saphir. Des assiettes, des coupes, des trucs, des machins choses qui ne servent à rien. Une araignée. La ferraille, les gemmes spirituelles, là dedans, il n'y a que ça d'intéressant. C'est quoi? Une trovaine d'aguerre. Dagnen, on va la prendre. Juste pour le style. Ici, ça ne mène à rien. Là-haut, on a un chemin là-haut. Vous êtes totalement sec, ça fait plaisir. Ici, c'est une porte. Et barré de l'autre côté. Ok, d'accord. On va aller voir là-haut. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et ça revient ici. On a débloqué une porte. C'est une porte simple ou c'est... une porte simple. Vers le balcon. C'est quoi? Un sac. Du tas de sel dans le sac. Et il y a un squelette. Et on revient là-haut. Encore un sac. Des carottes. Ça, c'est bon, ça. Je pense qu'il n'y aura rien ici de plus. Non. On va aller voir ce balcon, là. Intéressant, cette... Cette cité naine, on va dire ça comme ça. D'accord, on arrive sur le balcon là-haut. Ouais, il me semble que j'étais déjà venu ici, ouais. Que la porte était fermée de l'autre côté. Ici, je crois que j'avais réussi à monter jusqu'ici. Hop. Et que là, il y a un coffre. Que j'ai vidé, effectivement, oui. Je passe dessous. Ouais, si, si, je m'en souviens. Je me souviens que là, c'était fermé même. Que j'avais pas pu passer, c'est pour ça. En fait, j'avais pas vu la grotte, alors. Comme un con, j'avais pas vu la grotte. Donc, bah, ça va nous permettre de faire ça dans cet épisode. Faire ce donjon. Hop, là on va repartir dans ce sens là. Puisqu'ici on a fait le tour. C'est ma foi fort joli. Oula, comment il s'est fait, comment il a volé. J'ai toujours mon arbalète en fait. Non, je crois que je l'ai posé, ouais. Je l'ai eu savoir poser. C'est quoi? Flèche d'ébonite. Ah oui, c'est vrai que. C'est vrai que j'en ai utilisé. On va se mettre avec ça peut-être. Même si ça met pas en valeur la couleur dorée comme ça. Ah!
Non, mais il est trop fort, mon collègue, là, le magicien. Là. Il casse tout, lui, mon collègue. Hein. On a toujours Lydie, au fait. On a encore perdu Lydie. C'est bizarre, ça. Putain, merde, je viens de remarquer que j'ai aucun bonus de santé, rien. Rien du tout. Les cuisses de lapin. On va manger un peu. On va manger ça. On va pas le manger non plus. Pommes de terre. Pommes rouges. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on a qui pèse? Ragout de chou. Bah, ce sera déjà pas mal. On a déjà des bons effets là. Des bons effets positifs. Vous éloignez pas trop. Pourquoi? T'as peur? On a déjà perdu Lydie, ouais. Une araignée! Ah, on n'y voit plus rien. Qui c'est qui a éteint la lumière? Non mais tu... On va rester avec ça. Ça donne plus de charme au lieu. Une porte verrouillée apprenti. Avec un coffre. De l'or et surtout un casque. Dont je n'ai aucune utilité. Oh, Lydie, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? D'où tu sors? Comment ça se fait que tu viens de là où on va? Enfin, là où... Oula. Ah, c'est peut-être Lydie qui a fait ça. Minerai d'or. C'est toi qui les a tués? Ah, il y a encore des araignées. Que les dieux vous maudissent! Voilà. C'est les petites araignées aussi. Oula, c'est quoi ça? Pierre de lune brute. Sympathique. Sympa, sympa. Je cherche un petit peu dans les recoins. Hein. Voir s'il n'y a pas des petits trucs cachés. Donc on peut aller par là-bas. On a encore un chemin par ici. C'est quoi qui tombe? C'est de la neige? C'est bizarre. C'est bizarre. On est sous terre, mon grand loulou. Pourquoi tu tombes de la neige? Oh le bâtard. La porte était piégée. C'est un cul-de-sac. Mais il y a forcément quelque chose. Une armure. Mais j'en ai déjà. Des coffres. Un casque, j'en ai déjà. Petit levier, je m'en fous. Une potion de magie. Un bouclier. Enfin, très joli. Hein. Il est très joli dans ce modèle-là. Mais ce sera tout pour cette pièce. On va continuer. C'était la petite pièce bonus. D'accord. Hop. C'est sympa le design quand même des nains. Pourquoi ces choses métalliques nous ignorent-elles? Avanchel nous attend. Qu'attendent-ils? Personne ne sait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se préparer. Qu'est-ce qu'on va se préparer?
Bon, tout simplement du feu. Souffle, non, souffle glacé. Allez. Peut-être le retour des Dwemer ou la fin du monde. Mieux vaut nous débarrasser de ce que nous voyons par précaution. D'accord. Pourquoi on voit les gens comme ça qui passent là? De quel droit on peut voir les gens qui sont probablement morts, hein, sinon on les verrait pas, mais. Comment ça se fait qu'on peut les voir? C'est le lexique peut-être qui nous fait les voir. Oh oui, oh le couac. Ah, ni machinerie, bon, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On va descendre dans les profondeurs de cette ville naine. Pas de petits coffres cachés, non. Ah, une araignée. Voilà, ça. Merde, des sphères. C'est tout ce que vous savez faire. À résister, ouais, mais je veux bien qu'il ait résisté à souffle glacé, la bestiose, mais quand même, ça doit lui faire mal, quand même, non? Nous sommes des voleurs, imbéciles. Nous allons voler le cube. Et pourtant, aucun d'entre nous ne s'est crocheté une simple serrure. Le cube, ah, c'est le lexique. Hein. Qu'est-ce qui me l'a donné? C'était pas un mec qui a failli sur les ports qui me l'a donné, le lexique, ou un truc comme ça? C'est que quelqu'un a failli m'a donné un truc. Ah, je me disais bien que j'avais vu une porte par là. Merde. Voilà, elle est là. Crochetage niveau 75. On commence à roxer en crochetage. Des grenades et un coffre. Amulette, un bouclier encore une fois et potion de soin. Et là il y a des trucs là, non? Non, c'est ce qu'elle se passe. Alors bon là, on va continuer. Toujours, vous me suivez les enfants? On va peut-être se mettre autre chose que le souffle ardent. Qu'est-ce qu'on a encore? Je sais même pas qu'est-ce qu'on a en cri. Qu'aurait été cri de glace. Là. Déferlement, bah tout simplement le déferlement, hein. On va utiliser le déferlement. Il doit être par là-haut, voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? Un coffre? Ah, il y a encore une autre salle, je me dis. J'ai cru que c'était la fin du truc, hein. Je me suis dit merde. C'est totalement sur la gauche. Un peu plus haut. Voilà. Une sorte d'illusion. Ça, je m'en fous. Et ça. Allez. Alors là, c'est une grande salle, dis-nous. C'est une grande salle. Les trucs ici. Flèche orc, qu'est-ce que foutent des flèches orc ici? Je n'aime pas me battre contre les créations des... 25, on a mieux que ça, non? 32. Quel plaisir peut-on prendre à tuer quelque chose qui ne saigne même pas? D'accord, t'es bien un gros bourrin, toi. Ah bah t'as, ils avaient dû mettre leur camp ici. Cet endroit est immense. C'est immense. Je ne m'attendais pas à ce qu'Avancel soit si grande. Qu'il nous faille tant de temps pour en découvrir l'entrée. Reposons dans quelques heures, puis nous reprendrons notre exploration. Nous devrions peut-être faire demi-tour, je ne tiens pas à dormir ici. Drennen, est-ce que vous réalisez que le lexique, qui se trouve tout au fond de cet endroit, contient plusieurs siècles de connaissances d'Oemer? Sans parler de notre salaire. Et alors? Alors, hors de question de faire demi-tour, imbécile!
Et d'abord, vous n'allez pas me dire que vous avez peur de quelques hommes de métal endormis, hein, Drennen? En fait, oui, c'est vrai qu'on... Tiens, tant que j'y pense, je le vois. On m'a donné le truc pour enlever les yeux bleus, là. Mon personnage, en fait, c'est un petit bug. C'est vrai qu'on m'a dit comment il fallait faire pour l'enlever, mais je ne me souviens plus. Enfin, je l'ai dans les commentaires, je sais, donc je tâcherai de le faire pour le prochain épisode. Mais là, je l'ai oublié pour celui-là. Donc, tant pis, on fait ça. On fait ça, on continue à avoir les yeux bleus qui brillent comme ça. Au moins, on sait où est-ce qu'on est dans la nuit. On a un chemin qui continue avec la grande salle, et là on a une autre porte. Effectivement, c'est un piège qui fait mal. Putain, je l'avais même pas vu en plus. Oh le bâtard de piège. Je tombe où? Je tombe où? Je tombe un petit peu loin. Oh le bâtard de piège. Ouais, on retombe ici. Nous sommes des voleurs, Cécile. Nous allons voler le tube. Bon, c'était pas aussi bien fait que la première fois, mais on s'en fout. Bon, ici on avait tout fait. On va refaire la serrure quand même. Est-ce que c'est la même? C'est pas exactement la même. Voilà, on monte au niveau 75. On va prendre tout ce qui nous intéresse. Et là-bas, il n'y avait rien. Oh, le piège de merde que j'avais pas vu. Le piège de merde que j'avais pas vu. Heureusement, on n'était pas trop loin. Bon, là, c'est facile. Et là, oui, il y avait la conversation des autres, là, mais on s'en fout. On l'a déjà entendu. Cet endroit est immense. C'est immense. Ce personnage est occupé. On peut pas la reparler. Je m'en fous. Je sais. Donc, on va se mettre ici. On va faire une sauvegarde rapide. Et on va aller désamorcer ce piège à la con. Voilà. Et tout de suite, c'est plus sécurisant. Et c'est plus sécurisé. Et là, on a pas mal, on dirait un petit atelier de maintenance des araignées. Un truc comme ça. Avec du coffre. Du lit en pierre. Ça doit faire bien au dos. C'est quoi ça? Guérison. On va prendre hein. Une coupe, une commode. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette commode? Encore une coupe, des sous, une poêle. Ça, c'est une chaise. Encore un petit moteur qui sert à quoi faire, je ne sais pas. Une araignée, toi. Qui était cachée derrière. Rien de l'autre côté, de la lumière, du métal, encore une araignée, une gemme, et il n'y aura rien d'autre. Tain, tout ça pour ça, quoi. Ça valait clairement pas le coup. Et on va faire une sauvegarde rapide ici. Il faut sauvegarder rapidement souvent. Et c'est qui? Ah merde. Je me demandais d'où ça venait en fait. J'avais senti, mais je me disais merde, mais d'où ça vient? Lydie, toi de câble sexe? Un douaner vivant a été découvert un jour à moi. D'accord. Un douaner vivant, tu disais, a été découvert un jour. Ouais. Et alors? Il va bien? C'est la même araignée? Non, c'est pas la même.
Encore des morceaux d'araignée. Récupère les gemmes. Hein. Il n'y a rien d'autre. Des engrenages de partout. Qu'y a-t-il par ici? Rien du tout. On continue. On perd pas de temps. Ouah. Assez. Ouais. Bon. Il y a une autre. Il y en a une autre. La sphère. Bim. Allez, venez. Voilà. Ils n'ont pas le temps de réagir, les pauvres. Putain, je vais repartir d'ici gavé de... Je vais repartir d'ici gavé de gemmes. Truc de fou. Ici c'est une porte, ouais. Y a rien d'autre là. Non. Faire la porte là. Merde. J'ai cassé mon crochet. Là, voilà. Petite pièce avec de la potion et une couronne. Qui voit un sacré sacré paquet de pognon. Et ici on a quelque chose. On va s'enlever ça. On a quelque chose et on dirait qu'il y a l'accès idée par là. Et oui. Putain, j'avais raté cette porte à la con. Hop, un de plus pété. Non, tout en bas. Un peu au-dessus alors. Au niveau 75,5 déjà. Voilà. Un petit coffre caché en dessous là. Et voilà. Un petit peu d'or. Et là, on a un casque, une gemme. Et c'est tout. On a fait le tour pour ça. La loose, y a rien là de caché là. Poussez-vous les gars. Poussez. Non, non, on a fait tout ça pour ça. Il n'y a rien d'autre de caché. Enfin, tout ça. C'est pas non plus trop compliqué. On a accroché une porte, c'est tout. Mais bon. On n'a rien récupéré d'intéressant. Et on va encore sauvegarder rapidement. Prudence, prudence. Encore de la gemme. Cette fois-ci, pas de gemme. Et il y a un truc là-haut. Sans gemme non plus. C'est vrai que c'est grand quand même, hein. On n'a pas fait encore le tour. Je croyais que vous aviez dit qu'il dormait. Vous disiez qu'il dormait. Moi, je pensais bien qu'il vous attendait. Et certains attendaient que quelqu'un tente de prendre le lexique. Fantastique. Je fouille en attendant. De toute façon, ils ont fini de causer. Encore une grande salle avec des araignées. Ouh, il y en a plein en plus. Waouh.
Putain, ça se masse, j'ai déferlement. Boum. Est-ce que je vais survivre à cette attaque d'araignée? Je crois que c'est bon. Merde, j'ai pris un truc qu'il fallait pas, tant pis. Putain, c'est clair qu'au niveau des gemmes, le magicien, il faut qu'il vienne ici. Hein. Malachite brute. Oh là, il y a un centurion. Avec les flèches des bonitines. Avec ça, j'en ai déjà un chez moi. Putain, ils étaient obligés de mettre autant de pierres précieuses et de trucs comme ça dans leur robot là, parce que bon. Flèche de verre. Encore un nouvel d'énergie, on bat une battle axe et une masse. Et on a encore Putain, j'aurais pas dit que c'était une ville ou une bibliothèque, hein. J'aurais plutôt dit que c'était une usine. Une usine à robots. Ça ressemble plus, ça me fait plus penser à une. Facilement briser votre arme. Sur la peau de métal d'un automate d'OMR. Hop, coffre. Et on va monter. Et là, je pense que ça va pas tarder à chier. Pas tarder à avoir des gros soucis. On va encore faire une sauvegarde rapide. Ah, mais tiens. Le premier cadavre. Ça m'étonne pas que ce soit lui qui soit mort en premier. Sûr que les mecs habillés comme ça, ils pensaient aller loin. On a des méga épées, des méga armures. Et... Nous ne devrions pas être ici. Je suis désolé. Laissez le radichon courir. Vous toucherez le double. Le salaire ne vaudra rien si nous mourons ici. Calmez-vous, Brea. On approche du toxique. Je le sens. Nous allons continuer sans Brennen. Donc déjà lui il avait abandonné. Il avait abandonné déjà. C'est mauvais signe. Pourquoi il a abandonné, quoi? C'est pas comme si... Nous y sommes presque. Vous entendez le lexique nous appeler? Non. Bien sûr. Donc on le récupère et on sort, c'est ça? Quand nous aurons mis la main sur le lexique, il faudra le poser sur son pupitre. Je me charge du reste. Bientôt, les connaissances qu'il contient seront à moi. Bientôt le savoir du lexique sera à nous. Bien entendu. Il y en a un qui a voulu doubler les autres, là, non? Il n'y en a pas un qui a voulu doubler les autres? Ah, des ennemis. Ah, c'est en dessous. Une sphère. Bim. Ah, tu vois, tu résistes pas à ça. Il a bougé. Une porte, ça, non? Même pas.
coffre. Putain, ils ont rien pris de ce qu'il y avait là. Putain, pourtant il y en avait des trucs. Faire une sauvegarde rapide parce que ce bruit là ne... Hein. Attends, c'est quoi, il y avait du... C'est qui fait du bruit comme ça là? Calmez son sexe. J'entends le lexique. Venez, vite. Il y a quelque chose en cloche. Ouh, les gouttes de métal. Ouh, j'ai miam miam. Une araignée ici. Ah merde, je transporte trop de choses pour pouvoir courir, ça c'est con. J'ai ramassé une connerie tout à l'heure. Ça, tiens. Ça, et qu'est-ce que je viens de voir? Pourquoi j'ai ça sur moi? Il n'est même pas enchanté, rien du tout. Non, non. Je l'ai pris sans faire exprès. Ah! Ça sent le piège, ça. Ça arrête au bout d'un moment ou pas? Alors tiens, ce qu'on va essayer de faire. On va tenter l'impulsion. Non là on va crever là. Ah bah non. Putain, ils sont pas prêts d'y arriver. Hein. On peut arrêter. Voilà. Ça s'arrête ça au moins? Ça s'arrête, ça va. Monte la fertilité de 15%. Ça fait plaisir. Un crochet, de là, plap, un collier d'or, c'est toujours ça. Toujours bon à prendre, on prend de la pomme en passant. Donc voilà, ça fait 2 de décédés. Regarde les racines. D'accord, donc il reste plus que le mec. Le mec en comme ça là. De cette race là. Et la fille qui les accompagnait là. Une espèce de guerrière mercenaire là. Ça ne me dit rien qui vaille. Effectivement. Vous voyez le centurion sur la gauche? Celui-là, je le sens bien. Je le sens bien, les gars. On va pas faire du coup d'impulsion parce que j'ai pas envie de les rentrer dedans. Alors, attention, ça va chier. Donc, on va se prendre le bouclier. Ah, ça va. Oula, comment il a volé le centurion. Putain, ça fait plaisir, on chope des flèches d'ébonite là. C'est miam miam ça. J'en ai combien en tout d'ailleurs grâce à ça? 57 quand même. Ah ben voilà. Breya, ça c'était la fille qui était avec eux. Qui a dû mourir sur le deuxième centurion. Il reste juste le seul gars là, le... Encore des flèches. Merde, j'ai pris de l'huile alors que j'en voulais pas. Et le dernier, ça veut dire qu'il est pas mort par ici. C'est quoi ça? C'est rien. C'est purement décoratif. Donc le Lexi qui va ici. Il est censé aller ici. Je vois pas le corps de l'autre. Donc l'autre, il a dû continuer. Les Dwemer ont fabriqué de nombreuses machines extra. Bah, c'est pas celui qui était fou. Personne n'a jamais pris leur suite. Savoir ancestral à joue. Trop cool. Trop cool, j'ai l'impression de me sentir beaucoup plus intelligent maintenant, ça c'est sûr.
faire une petite sauvegarde rapide. Coffre. Des flèches. Respiration aquatique. On va apprendre ce sort immédiatement. Alors. Attends, c'est pas là, c'est où déjà? Si, c'est là. C'est là, c'est là, j'ai trop de trucs en fait. Par ordre alphabétique, s'il te plaît. Et bien alors, il est où ce con? Il est où ce con? Je le vois plus. Livre de sort, voilà. Je l'ai déjà. Éclair foudroyant, je l'ai déjà. Voilà. Donc là, on a un petit truc. C'est quoi ça? C'est rien, bouclier au-dessus, mais je m'en fous. Et bien, on va descendre. On va monter, je sais pas. Là, en tout cas, il fait nuit. Il fait noir. Non, sérieux, c'est tout? On va ouvrir la porte. Non, sérieux, c'est tout? Et le truc du savoir ancestral là. D'accord. Tiens, toutes ces quêtes. D'accord. Non, mais j'avais pas une nouvelle mission qui avait commencé, un truc comme ça. Blablabla, 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 blablabla. On va voir ça, ok. Ok, la fin, ok. Ok, ça oui. Ça ok. Ça s'est mis dans les divers alors. Putain, je sais plus. Je sais plus. Ça ok. Trouver étrange dur, ok. Bla 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 bla. D'accord, non. Bon. Alors c'est moi qui deviens fou. Du coup on va sortir d'ici. Hein. Par le balcon, simplement. Et on a fini alors. On a fini. On a fini. C'est ça, hein, c'est bien ça. Oui, pourquoi tu me dis ça là? Ça c'est parce qu'ils considèrent pas. Ils considèrent que je suis dans une cellule alors qu'en fait je suis dans le monde. Il suffit que je fasse ça et puis après on va vite changer d'avis. Ah, je crois que j'avais hésité à y aller. Il me semble que c'était ça la première fois. Je crois que j'avais hésité à y aller. Et j'avais dit non, on va pas y aller. Donc du coup, bah, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et on retourne à cheval. On retourne à cheval, voilà, ça c'est fait. D'accord, il considère pas qu'on est sorti. Donc on va s'avancer. Sur le bug. Je crois que là il a considéré qu'on est sorti ou pas? Non, toujours pas considéré qu'on est sorti.
On va chercher, donc on va faire la carte du monde. Et voilà, là ça va mieux. Donc on va essayer de faire cette mission là la prochaine fois. Et donc, on va essayer de rendre la quête là. Faut que je regarde aussi si j'ai pas des quêtes annexes qui sont dans le secteur. Ça pourrait être intéressant de les faire, tant que je suis pas très très loin. Peut-être retourner voir au Rodgar là-haut. Passant par Fort River, faire peut-être le chemin là, pour aller là-haut. Ça m'a marqué, terminé. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais toujours est-il qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Ça fait déjà 50 minutes. Donc voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et à commenter si vous voulez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Skyrim ou sur un autre jeu. Ciao !